depuis ton plus jeune âge. Tu aimes découvrir mes chemins, mes paysages. Les derniers rayons lumineux du phare vont bientôt laisser place à ceux du soleil. Tel un objet précieux transmis par ta famille, ton vélo te guide à travers la côte sauvage, à ressentir les variations de couleurs et d'odeurs. Les années ont passé, mais aujourd'hui encore, ta passion reste intacte. Prends le temps d'observer autour de toi. As-tu songé à t'aventurer plus loin, à prendre d'autres sentiers pour me connaître? Concentré sur ton parcours, il n'y a plus que la nature autour de toi qui existe. Ici, tout est sauvage. Le vent y est fort, mais pas assez puissant face à l'intensité de la mer. Les vagues s'engouffrent dans le sable au grain fin. Les éléments, les matières se confrontent, se déchaînent. Pourtant, tout semble paisible et serein. La plage de la Seppe, la richesse et la diversité des paysages aux parfums de coquillages et d'iode sont à portée de main. Entre les roseaux, de nouveaux chemins se dessinent. Arrivé au point culminant avec la tour du Gardour, le guide des navigateurs, la forêt de la Coubre s'offre à toi. L'horizon n'a plus de limites et la lumière se met à jouer avec les éléments, apparaissant et disparaissant par endroits. Au chemin des pêcheurs, à la plage du Galon d'Or, la mer rentre dans les terres. Il se crée ainsi un dialogue entre deux êtres, comme toi et ton fils. Cette nature que tu respectes, c'est un héritage familial. Et ce savoir, tu as réussi à lui transmettre aujourd'hui. Le soleil glisse doucement vers l'horizon. Bientôt, les étoiles viendront caresser les vagues. Mais tout cela, vous ne l'aviez sans doute pas remarqué, parce que vous pensiez nous connaître.